Salut! Moi, c'est Nano. Je suis un neurone. Une petite cellule du cerveau. Et je suis pas tout seul. Nous sommes plusieurs milliards! Et tous ensemble, vous formez une formidable entreprise, CervoCorp. Notre mission? Vous faire sentir, entendre, voir, comprendre, bouger. Bienvenue dans l'univers du cerveau. Cet épisode est consacré à l'attention. Alors, c'est parti! Concentrez-vous et faites fonctionner vos petites cellules grises. Vous voyez mes collègues? Ils permettent de voir et cela d'entendre. Chaque département dépense beaucoup d'énergie pour faire tourner la boîte. Comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ce boulot tout en étant toujours aussi efficace? Attends, il faut que je me concentre! Qu'est-ce qui se passe là, Nano? C'est quoi tous ces messages? Ah là là, on est toujours dérangés ici. Bon, ok, je t'explique. Tu vois, moi et mes collègues neurones, on a plein de tâches à faire. Ça s'empile. Et bien sûr, on ne peut pas tout faire en même temps. Pour être efficace, il faut qu'on se coordonne. Tu vois là, il y a une route à traverser. Donc, les départements vision et audition sont submergés d'informations sensorielles. Et leur mission, c'est de détecter le passage du feu au vert. Ah d'accord. Mais qui décide que c'est ça, la priorité? Ben, c'est le Big Boss Attention. Attention? Attention, attention à quoi? Mais non, pas attention! C'est le nom de ce Big Boss, le Big Boss Attention. Il y a par exemple le Big Boss Mémoire, le Big Boss Langage et le Big Boss Attention. Ils sont tous dans leur bureau au dernier étage. C'est l'étage des facultés mentales. L'étage des chefs, quoi. Nous, on ne fait que recevoir leurs instructions. Ah, d'accord. L'attention t'a envoyé à toi et tes collègues un message d'instruction pour pouvoir traverser la route sans se faire écraser. Tu as tout compris. L'attention, c'est une des facultés mentales. On appelle aussi cela une fonction cognitive. Son action est double. D'abord, elle va sélectionner l'information sensorielle qui est pertinente. Ici, le passage du feu au vert. Après, l'attention va rendre plus efficace l'analyse de ces informations sélectionnées pour pouvoir traverser la route en toute sécurité. Je comprends mieux. En fait, l'attention gère au mieux les ressources disponibles pour atteindre l'objectif fixé. Ouais, c'est ça. Ah, allez, laisse-moi, c'est à mon tour. Et avec Big Boss Attention, pas question d'être en retard.